Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir Claude Sarotte, Gérard Miller, Elsa Fayer, Isabelle Alonso, Sylvie Boulet et Caroline Diamant. Pourquoi vous vous marrez, Gérard? J'ai vu un petit sourire pendant que j'annonçais les noms. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que Stevie Boulet est particulièrement élégant. Ah, je me dis que c'est Gérard. Stevie. C'est un scoop. Non, mais franchement. Mais vous avez raison, c'est que beaucoup de téléspectateurs ce soir, certainement, quand j'ai annoncé les noms, ont dit « Tiens, il y a encore le mannequin, mais il parlait de vous. » Non, non, non. Il a cette élégance, un mix entre le 18e et le 19e siècle, une élégance de dandy. Voilà. Mais je suis un peu dandy dans l'âme, quand c'est même. C'est pas mal. Non, mais un costume qui a été livré avec les épaules, manifestement. Non, alors ça, c'est quand même une pièce incroyable. Ah oui. Bon, je peux pas dire, c'est une pièce haute couture. Il y a eu 1000 heures de travail sur cette veste. Et c'est pas fini d'être cousu. Allez, venez, 1000 heures. Et c'est un grand couturier new-yorkais. Je vais dire quand même une chose, c'est que, tu vois Elsa, si Stevie réussit à être élégant, toi tu pourras un jour réussir à être pertinent. Merci, merci Gérard. Ne désespère pas. Ça me donne beaucoup d'espoir. Mais Gérard, qu'est-ce que vous avez contre la petite Elsa? Rien. Vous la taclez méchamment régulièrement. On a du courrier, les auditeurs écrivent à Geneviève Guichenet. Voilà. Et ils lui disent... Elsa sait que je l'aime beaucoup. Mais on a un petit truc à nous, c'est qu'à chaque fois qu'il dit une méchanceté, il doit m'embrasser. Donc comme il veut tout le temps m'embrasser, il me balance des vannes. Tout va bien. Beaucoup de femmes, hein, beaucoup de concurrentes aujourd'hui, Claude. Hein. Ah bah oui, t'as raison, j'avais même pas, je m'étais pas rendu compte. Ah ça c'est vache, ça c'est la pire des vacheries alors. Laquelle vous préférez de toutes les filles qui viennent dans cette émission, Claude? Ça c'est vache. Ça c'est impossible. Ah si, allez, allez, non, allez, c'est pas possible. Allez, lâchez-vous, lâchez-vous. Non, je peux pas. Allez. Mais c'est quand même elle. Pourquoi? Allons-y, ben, parce qu'on picole. Bah, alors, je vais vous dire, ça ne fera pas de peine aux autres. Ah, mais justement, ça, c'est la question que je peux poser à Laurent. Loin de moi l'idée de créer des rivalités masculines, mais vous préférez lequel de nos deux garçons d'aujourd'hui? Ah, j'ai autant d'affection pour l'un que pour l'autre. Oh, tu alors ça, c'est... Non, non, vous avez demandé de choisir à Claude, ouais. Alors maintenant... Bah, pour des raisons très différentes, non. C'est très difficile, là, oui, mais faire avec lequel est-ce que vous picolez? Il ne picole pas. Ni avec l'un, ni avec l'autre, parce que je et ne picole pas. Et le patch anti-cigarette. Pardon? Et le patch anti-cigarette. Ça marche, hein, ça y est, hein. 3 jours. Non, non, ah, non. Ouais, bravo. Ah, ouais. Une cigarette hier soir. Une cigarette hier soir. Franchement, c'est bien. Mais oui, mais déjà... moi, je n'aurais pas donné. Mais elle, Caroline Diamant, dès que le boss demande quelque chose, une cigarette, elle lui passe bêtement une cigarette. Tu n'aurais pas passé de cigarette. Non, non, il n'aurait pas non, fumé non, depuis 3 jours. Mais là, il a fumé hier. Je peux comprendre quand il a une envie. Je trouve que c'est important de la satisfaire. Ben voilà. Oui, mais non. Je suis quelqu'un de compréhensif. Et une petite pipe. Allez, il est temps de passer, je crois. À la photo du jour, et cette photo, c'est celle de Nicolas Sarkozy qui arrive en tête d'un sondage Ipsos Le Point pour 50% des Français qui pensent que ce serait le meilleur candidat pour la droite en 2007, devant Jacques Chirac, 40%, Jean-Pierre Raffarin, 24%, François Bayrou, 22%. C'est quand même injuste, ce sondage, parce que le meilleur candidat pour la droite, ça reste de loin Lionel Jospin s'il se représente à gauche. Une autre photo, celle d'Alain Juppé, publiée ce matin par Le Parisien. Et regardez bien cette photo, inutile de vous dire, c'est une photo qui a été prise avant qu'il apprenne son score dans le sondage du Point. Parce que là, il est très souriant. C'est vrai que c'est terrible, 13% seulement pour Juppé. Même président de la République, ça reste un emploi fictif pour lui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il ne sera jamais président de la République, Juppé. C'est comme, je sais pas, c'est comme Laguiller, tous ces gens-là. Il faut qu'ils se fassent une raison au bout d'un moment. Toujours espérer. Ah, ça fait, ça fait des années qu'elle se présente. Mais il faut que tu saches, Arlette, que tu ne seras jamais président c'est pas de la République. C'est pas vrai. Mais bien sûr que si. Arlette enfin. Laguiller, elle peut l'avoir. Elle peut l'avoir en viager, par exemple. C'est vrai. Gérard. Non, mais. Il faut dire à Stevie que rien ne va de soi. On avait dit ça de Mitterrand, absolument, que jamais il ne serait président de la République. Ben il a raté tellement de fois la chose, et eh ben il est devenu mais président. On ne reviendra jamais au communisme. 4 ans, c'est très long. C'est, mais Mitterrand, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien alors, à voir. Pour Chirac c'est... aussi, il s'est présenté une fois, il s'est présenté mais deux non, fois, il s'est présenté Mitterrand, trois il fois. Mitterrand, il s'est fait élire dès qu'il s'est fait redresser les dents, il avait des dents de vampire. Ah. Et dès qu'il a arrêté de cligner, il faisait trop petit, vous ne vous rappelez pas. Il était comme ça, il clignait tout le temps.
Une autre photo, celle de l'ex-président Chirac, donc, qui est en déplacement à l'étranger en ce moment, au Niger et au Mali. Et à peine revenu de son voyage express à Valenciennes, dans le Nord, il est allé là-bas en Afrique. Il faut dire que, grâce à la politique de M. Sarkozy, pour ces pays-là, il y a un charter tous les quarts d'heure. Autre photo, celle de l'exercice Piratox qui a eu lieu cette nuit à Paris, la simulation d'un attentat à la guerre chimique dans une station RER. Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, a assisté aux opérations à 1h du mat cette nuit. Donc quand même, c'est dingue parce qu'après le pape le week-end dernier à Rome, les Invalides cette nuit, Raffarin se spécialise. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que cette simulation visait, il faut le savoir, à répéter une éventuelle attaque chimique dans le métro et qu'il y a donc des faux terroristes, on les voit, qui ont joué le jeu et ils ont été arrêtés, ces faux terroristes. Ça prouve que c'était vraiment une attaque fictive parce que tous les jours, dans le métro, il y en a qui lâchent des gaz et croyez-moi, on ne retrouve jamais le coupable. C'est vrai. Il y avait vraiment besoin de montrer les images, ça, je oui, comprends pas. C'est mais ça si. Qui me fait peur. Ouais. Ils pouvaient très bien simuler, faire ça tranquillement, être préparés. Pourquoi donner toutes ces informations? Pour nous rassurer. Bah oui. Pour j'ai nous pas rassurer. Eh ben Caroline, moi, je trouve que c'est plus inquiétant. Quand vous simulez, vous le dites pas après. Pensez donc, moi. Une autre photo, celle de Diana et de la lettre prémonitoire que la princesse de Galles aurait écrite 10 mois avant son accident mortel. Et puis on a la preuve que c'est bien elle qui l'a écrite cette lettre, hein, parce que c'est en anglais quand même, hein, regardez. Hein. La presse a caché le nom, regardez bien, de celui qui, d'après la princesse, préparait un attentat contre elle. Alors son nom se cache derrière, regardez, un bandeau noir. Ce qui est sûr donc, c'est que ce n'est pas le prince Charles, parce qu'on verrait, les oreilles dépasser. C'est qui alors, Claude? Ah, mais on dit qu'elle était très persécutée, complètement paranoïaque. Alors elle prenait des antidépresseurs, vous croyez? Bah, tu rigoles. Comme ça, elle les avalait comme des cacahuètes. Comme quoi le Prozac, c'est pas très bon pour voir le bout du tunnel. Ou à l'Alma. Une autre photo, celle de l'endroit où se situe le désir de l'homme, selon le journal Le Parisien, d'après deux chercheurs français. Regardez, c'est derrière la pointe du sourcil gauche que se cacherait la clé secrète de notre comportement sexuel. On vous laisse imaginer les nuits d'Emmanuel Chat ou d'Henri Emmanuel. C'est fou. Elsa. Déjà, pour le retrouver, il faut débroussailler avec Emmanuel Chin. C'est pas facile de repérer le. Alors, vous le y croyez à cette zone qui contrôlerait notre désir? Alors, moi, je connais beaucoup d'hommes qui le grattent comme ça. C'est là? Alors? Arrêtez de vous branler, Stevie. Quand je pense à tous les endroits qu'on s'est fait chier à chatouiller. On termine par Johnny Hallyday qui, dans Paris Match, déclare cette semaine « Les coups, ça fait mal ». La deuxième partie de l'interview, « La pluie, ça mouille » et la troisième, « Le soleil, c'est chaud » sont à paraître dans de prochaines éditions. Johnny explique, en tout cas dans cette interview, pour être plus sérieux, qu'il n'est pas manipulé. Mais finalement, je trouve qu'il devrait. Après le film Ken Park, c'est maintenant la palme d'or du Festival de Cannes 2003, le film de Gus Van Sant, Elephant, qui crée la polémique. Ce film, sorti mercredi, revient sur le massacre qui avait eu lieu en 1999 dans un lycée aux États-Unis, je crois que c'était au Colorado, où plusieurs élèves avaient trouvé la mort à la suite d'une célèbre fusillade. On reproche au réalisateur d'avoir fait de son œuvre un documentaire froid, violent, qui n'expliquerait rien sur la tragédie. L'autre polémique autour de ce film vient aussi du fait que Elephant a reçu le prix de l'éducation nationale alors qu'il pourrait influencer, dit-on, des élèves fragiles. Pour parler avec nous de Elephant, ce film de Gus Van Sant, on n'a pas pu recevoir Babar, alors on va accueillir tout de suite quelqu'un qui est député socialiste du Nord et qui a été secrétaire national à l'éducation. Voici monsieur Yves Durand. Vous avez été prof d'histoire-géo, je crois. Eh oui. Et votre femme est professeure aussi. Exactement, d'allemand dans un collège de banlieue de Lille. Et vos parents étaient instituteurs. Eh oui, instituteurs, plutôt style Troisième République, les blouses grises.
cher à notre ministre aujourd'hui. Bon, alors vous avez vu ce film qui crée une polémique. Certains disent que c'est un chef-d'œuvre. D'autres disent quand même, il ne prend pas parti. Il nous montre des images comme ça, froidement, sans même essayer d'expliquer pourquoi il y a eu ce drame là-bas dans un lycée aux États-Unis. Votre avis à vous ? Ah, moi j'ai trouvé que c'était un film, que c'est un film très fort. Je ne dirais peut-être pas un chef-d'œuvre, mais ben, pas loin. Je pense qu'il y a dans ce film, qui prend aux tripes, hein, véritablement, pendant presque deux heures, il y a là toute l'image à la fois de la détresse d'une génération et de ce que peut être la société américaine. Et je pense que de le montrer à des élèves, avec un débat, à des adolescents, me paraît un acte pédagogique absolument nécessaire. Alors on va y revenir avec mes camarades, mais avant, pour les téléspectateurs qui ne sont pas encore allés en salle, la bande-annonce d'Elephant. His girlfriend. He has a girlfriend? Mm-hmm. Since when? You didn't know that? No, I didn't. A long time. So fat after I'm done eating. Did I eat last time I'm done eating? Do you ever get... Yeah, the pegs like stick down above your belly. And you can't get rid of it no matter what. Elephant, peut-être qu'on pourrait évoquer à nouveau le départ de ce film, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le Colorado, pour ceux qui auraient oublié ce drame terrible. Ce sont deux garçons d'un lycée. Deux garçons d'un lycée américain, d'un lycée parfaitement banal, je dirais plutôt même bien. Et un jeune garçon qui n'a rien pour devenir un véritable assassin, qui s'initie au piano, et puis petit à petit... une espèce de mécanique infernale le pousse à cet assassinat horrible, imprévisible, qui l'amène à tuer, je crois, 23 de ses 12. Camarades. 12 camarades. 12, mais à partir du moment où il y en a un, c'est affreux. Tuer un professeur, tuer aussi et de nombreux élèves voilà. Blessés et 900 balles sur leurs victimes. Et ils avaient acheté ces armes, évidemment, comme on peut le faire aux États-Unis, au supermarché du coin. Voilà. Une fusillade terrible. Alors là, on nous montre ça, effectivement, dans ce film, de façon, on va dire, esthétique. C'est ça qu'on reproche au film. On lui reproche même d'avoir choisi, au réalisateur, des beaux garçons et des belles filles. C'est justement l'inverse. C'est tout à fait banal. Ce sont des gens qui sont, entre guillemets, normaux, comme vous le dites, même beaux. Et c'est la société elle-même. C'est leur extraordinaire détresse due à la solitude. Car quand on voit ces jeunes, on les voit seuls, toujours seuls. Qui les amène à la violence. Je crois qu'il y a là une extraordinaire question qui est posée à l'ensemble de nos sociétés occidentales. Claude Sarraute, tu n'as pas l'air d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord du tout. Moi, je suis allée là-bas vraiment à reculons. En fait, j'étais obligée de m'arracher de mon fauteuil quand ça s'est terminé, tellement je suis rentrée dedans. C'est somptueux. Et j'admire le fait que, ne sachant pas ce qui s'était passé, le réalisateur a refusé de dire ce qui s'était passé, c'est tout. Mais en quoi vous n'êtes pas d'accord avec... Oui, je vois parce pas qu'il très bien dit que dit la société américaine, la solitude de ces gosses. Ils sont parfaitement heureux, t'as vu? Ils sont beaux, ils sont frais, ils comment sont comment tu peux dire ça, Claude? J'ai pas eu l'impression qu'ils soient vraiment heureux. J'ai pas eu l'impression qu'ils soient vraiment heureux. Ils sont super contents, ils se tuent tous. J'ai pas eu l'impression qu'ils soient heureux. Il y a deux fous. Ils m'ont paru. Vraiment, je trouve, Claude, que... Ton amour des États-Unis. Ah, ça. Je suis désolé. Moi, j'ai une passion pour les États-Unis, mais pas la même que la tienne. Ce massacre n'était pas du tout inexplicable. Il n'était pas du tout imprévisible. Bien sûr, il était imprévisible dans cet endroit par ces gosses. La société américaine est une société violente économiquement, violente socialement, violente militairement. Mon chéri. Non. Je t'en prie. Non, justement. Il y a un moment où il y en a assez. Il y a un moment où il y en a assez. Combien faudra-t-il de morts à l'intérieur des États-Unis, à l'extérieur? Mais il y en a en France aussi, il y a des attentes, beaucoup moins. Non, mais attends, beaucoup c'est plus possible. Tu nous fais des cours de morale tout le temps. Est-ce que je pourrais... Je vous en prie, négocier. Essayez de négocier entre vous. Moi, je crois qu'on aurait tort de... Vous voulez un casque bleu? Je suis à la fois... On va éviter ça, on va éviter ça.
Moi, je crois qu'on aurait tort d'abord de pointer les États-Unis. Et moi, j'en ai tiré personnellement. C'est pour ça que je disais que j'avais vu la détresse et la solitude de ces garçons et de ces filles. Ils paraissent pas du tout heureux, hein. C'est sinistre. Oh, bah, leur vie est sinistre. Bon, même si c'est dans des couloirs parfaitement clean. Mais c'est pas des couloirs clean, bon, c'est un endroit de rêve. C'est sinistre. Laisse Monsieur Durand expliquer en quoi il est quand même d'accord avec moi. Voilà. Même si je ne suis pas en désaccord avec ce qui vient d'être dit là. Caroline Diamant a vu le film, elle aussi. Alors, Caroline. Alors, moi aussi, je suis un peu d'accord avec Claude et avec Gérard. Pas parce que je suis élue, mais parce que je suis un peu faux-cul. J'ai trouvé le film magnifique. Oui. C'est toujours dur d'associer cet adjectif à un fait divers tellement atroce. J'ai trouvé ça extrêmement prenant. Alors, ceux qui disent aussi qu'ils sont trop beaux, tout ça, ce sont de faux discours. On reproche même, parce qu'on sait que c'est un réalisateur qui est homosexuel, d'avoir choisi des jeunes et faibles. Des jeunes et faibles qui, d'ailleurs, sont devenus, actuellement aux États-Unis, il faut quand même le dire, des stars qui sont même... Mais parce qu'ils jouent admirablement bien. Oui. Ce sont des comédiens extraordinaire, parce que c'est pas facile. La façon dont il suit les élèves, la façon dont il revient, dont il reconstitue l'événement, honnêtement... Pardon ? T'as pas ressenti quelque chose de malsain à travers ces images ? Et rien ne distingue Caroline, tu es d'accord ? Rien ne distingue les deux tueurs des autres. Des autres. Rien. Jusqu'au moment où ils agissent. C'est ça qui est terrible. Isabelle Alonso l'a vu aussi. Par exemple, juste avant le drame, quand les deux héros, ceux qui vont tuer, sont en train de manger un dernier repas, il y a la mère qui est là, qui leur donne à manger, et qui en partant leur dit « fermez bien la porte ». Et juste après, ils partent tuer. Et je trouve que là, la préoccupation de la mère à ce moment-là, c'est juste que les enfants ferment la porte. Alors qu'elle a élever un assassin. Et si une société a les enfants qu'elle mérite, eh bien ce film nous montre comment une société gavée, tranquille, riche et très violente peut enfanter des assassins. Ça pose quand même tout le problème. C'est très intéressant, mais attendez, pardon, je voulais juste dire que c'est assez pénible à regarder, c'est très lent. Moi, je n'étais pas du tout dans le plaisir. C'est vraiment, ça vous arrive dessus comme ça, et c'est dur à regarder. Quoi. C'est pas un film qui est... Moi, je trouve pas beau du tout. Il y a un DVD, d'ailleurs, là, qui a été fait, qui explique, qui décortique le film, qui donne des éléments, une interview du réalisateur, et tout ça a été fait par une équipe d'enseignants, de partenaires culturels, de critiques spécialisés, qui permettent peut-être de mieux comprendre et de mieux aborder le film. Gérard. Moi, ce qui me rend fou, c'est que bien évidemment, il faut qu'on tire des leçons pour nous dans bien ce sûr. Film. Et vous, comme élu, en premier. Bien sûr. Mais que je ne suis pas pour qu'on dise que nous ressemblons à ça. La société américaine, la société... Si, c'est la question. Parce que les gens qui vont voir ce film vont se dire « Ah, ça peut se passer chez nous ». Ce n'est pas le cas en Europe et notamment en France. Quand tu auras vu le film, tu verras que ce n'est pas ça. C'est le fond du film. Vous allez voir le film, puis vous en parlerez. Non, mais ce que tu dis est vrai, mais le film, c'est pas ça. Moi, je crois que ce film, il est intemporel et il s'applique à nous tous. Stevie Boulet. Ben moi aussi, j'ai envie d'aller voir le film, mais c'est vrai que la France par rapport aux États-Unis, c'est pas comparable. Moi aussi, j'ai été dans des cités, enfin, je peux pas comparer ce qui se passe aux États-Unis. C'est pour ça que je rejoins tout à fait l'avis de Gérard Miller. Moi, je vis pas comme ça, pourtant, je suis vraiment en plein dedans, quoi. Mais c'est... en France, c'est beaucoup plus bon enfant, enfin, c'est beaucoup moins violent. Puis il faut savoir déjà qu'aux États-Unis, ils peuvent acheter des armes facilement, voilà. Alors qu'en France, on ne peut pas acheter d'armes. On n'a aucun moyen pour trouver une arme. Alors je sais qu'il y en a en banlieue, parce qu'avec les trafics, voilà. Stevie Boulet, monsieur le député, Stevie Boulet a un bourriquet. Là-bas, ils ont des Kalachnikovs. Il y a quand même une vraie différence. Il y en a qui en ont aussi en France. Ça prouve bien, un film comme cela, que le débat est nécessaire et que c'est une bonne chose de voir les choses sans qu'on nous assène des vérités premières et qu'on puisse ouvrir, y compris dans les lycées, la possibilité et la liberté du débat, et moi je m'en félicite. Rappelons que c'est un film qui a reçu 2 prix à Cannes, à la Palme d'Or du Festival de Cannes avant l'été, et aussi le prix de la mise en scène, donc pour Gus Van Sant, le réalisateur d'Elephant, actuellement sur les écrans. Merci monsieur Yves Durand. Merci. Le 4 septembre dernier est sorti Parole d'auditeur aux éditions des CIRT, un livre écrit par un homme de radio émérite, monsieur Michel Meyer. Dans cet ouvrage, l'auteur constate un phénomène qui s'est généralisé à tous les types de radio aujourd'hui. Ce sont, eh bien, les auditeurs qui parlent maintenant plus que les animateurs, en fait. Les gens avant écoutaient la radio, maintenant c'est la radio qui écoute les gens. La libre parole, ça s'appelle. Eh bien, cette libre parole est imposée partout sur les ondes, avec évidemment des dérives de ces émissions interactives, dérives qui sont nombreuses. Les discussions d'auditeurs sont rapportées dans ce livre et il y a de nombreux témoignages assez édifiants pour tester ensemble ce bouquin Parole d'auditeur. Recevons l'auteur, voici le directeur adjoint de Radio France et du réseau France Bleu sur notre plateau, Michel Meyer. Merci.
Merci. Alors, un livre qui décortique un peu la radio du moment. Et c'est vrai qu'il y a un vrai changement, vous avez raison de le noter. Il existait il y a quelques années, il y a 20 ans, 30 ans peut-être maintenant, oui. On ne voit pas les années passées, quelques émissions qui donnaient la parole aux auditeurs. Mmh. C'était Le Téléphone Sonne sur France ça Inter. Ça a commencé par ça. Oui. C'était Mélie Grégoire oui. sur RTL. Et depuis, depuis, toutes les radios font ça, pratiquement même toute la journée pour certaines. Absolument, puisque c'est devenu le format d'une radio que vous connaissez bien, puisque c'est par ailleurs la vôtre. C'est le talk, la libre parole. L'auditeur prend le pouvoir, en quelque sorte, sur les ondes. Et il prend le pouvoir peut-être parce qu'il n'entend plus trop venu d'en haut les paroles qu'il souhaite entendre, alors il la prend. Et c'est un phénomène irrépressible, sans précédent et, à mon avis, irréversible. Alors, phénomène intéressant et parfois inquiétant, disent certains. Vous apportez des témoignages en relevant ce que vous avez pu entendre sur des radios de jeunes. Mais vous n'avez pas l'air si inquiet que ça, parce que disent les jeunes. Mais quand même, il y a des propos dingues. Oui, alors, à première vue, c'est une radio que l'on dit poubelle, c'est comme on dit très crûment, c'est du cul, c'est de la défonce, c'est du sexe, mais du sexe dans l'acception la plus porno au niveau du langage. Mais qu'est-ce que cela cache ? Souvent une sentimentalité, non pas la Mélie Grégoire, mais une sentimentalité d'ado transclasse. Ah, c'est-à-dire, vous avez les lascars de banlieue au même titre que le petit bourgeois de Neuilly sous sa couette. Autrement dit, vous avez un phénomène, et c'est pour ça que je ne suis pas très inquiet, de même nature que celui de Salut les copains à une certaine époque. C'est-à-dire, c'est la transgression des ados qui provoque les vieux, les croulants, les adultes, à un moment donné, avec un langage extrêmement cru. Je vous interromps, monsieur Meillard, mais moi, vraiment, j'ai l'impression... Là, c'est vraiment, on se rend compte qu'on est devenu un vieux con quand, le soir, on allume ces radios-là et qu'on tombe par hasard sur ce genre d'émission. Moi, je ne peux pas écouter de ça plus d'un quart d'heure, d'ailleurs. Ouais. C'est là où je me dis... Moi, j'ai écouté très longtemps. Je suis devenu un vieux con. Je suis totalement dépassé par ce qui se passe. Pourtant, j'avais l'impression que dans nos émissions à nous, on dépassait certaines limites. Et là, les limites, elles sont encore dépassées plus loin. On peut laisser faire ça, le CSA laisse faire ça. Oui, parce que au-delà des apparences et au-delà de la crudité du langage et de l'aspect porno, notamment sur la sexualité, indépendamment du fait que c'est très fleur bleue, si on écoute bien, et je suis assez d'accord avec le langage. N'importe quoi. Comment le CSA peut laisser, moi, quand j'étais dans le loft, il traitait ma mère de pute, moi, il m'insultait tous les noms, et comment ça se fait que le CSA peut rien faire? Alors, je ne supporte pas que le CSA permette de laisser les gens se faire insulter, rabaisser, et tout ça. Quoi. Je ne comprends pas. Moi. Au-delà de ce langage et de ces processus diffamatoires, il y a la loi, tout simplement, et la loi, c'est pas de pédophilie, attention à ne pas faire d'apologie de la drogue, etc. Et ce sont les limites du CSA en la matière. Maintenant, je reviens à mon propos tout en comprenant ce que vous venez de dire. Je dis simplement que ça ne dérive pas, par exemple, sur la prévention des maladies sexuelles. Ça ne plaisante pas sur le sida. Voilà. Ça ne plaisante pas sur la pédophilie. Et après, il y a la loi, et après, il y a la diffamation, et après, tout ce qui s'est passé là. Sur le sexisme, ça dérape tous les jours et à répétition. Alors, il y a des gens plus protégés que d'autres, parce que franchement, sur les nanas, c'est terrible. Alors, la femme... Ouais. C'est du machisme à l'état pur. Oui. La femme est traitée comme une moins que rien. Et on a la transposition là de ce qui se passe, notamment, non pas à Neuilly, mais dans les banlieues, par rapport à une image de la femme qui est détestable et désastreuse. Mais je dirais que ce qui m'a frappé, moi, en profondeur, c'est l'immense solitude, l'immense misère sexuelle de toute une génération d'adios, c'est le propre de l'adolescence d'ailleurs, que de découvrir tout cela, qui se traduit dans l'affaire. Mais je suis totalement d'accord, c'est trash, c'est sexiste, c'est abominable en ce qui concerne le traitement de la sexualité, notamment de la sexualité féminine, qui est limitée au porno. Mais quand même, c'est un miroir de la société. De la société française. Mais on a l'impression d'être en décalage. C'est-à-dire qu'ici, sur le service public, mais c'est vrai aussi sur les chaînes commerciales, à la télévision, on ne peut pas dire un mot de travers, on n'a pas le droit de dire un gros... Bon, on en dit des gros mots, mais quand même, on les pèse, on les sous-pèse. Là, mais c'est un déversoir un déferlement, total, et on laisse faire. Est-ce que c'est normal? C'est la question que je pose. Moi, j'ai l'impression que ce qui est en présence en l'affaire, c'est un lobbying... Et un lobby extrêmement puissant, qui est celui des ex-radios musicales, qui, pour renouveler leur public, ont fait du trash et ce type de libre antenne au-delà de 21h30, 22h. Apparemment, on va leur reculer l'heure à partir de laquelle ils pourront diffuser ce type de radio. Et bien entendu, ce sont des tirelires. Ce sont des tirelires qui sont générés par ce que j'appelle le marketing de la provocation, le marketing de la transgression. Et c'est dans une logique commerciale, le fric, les tirelires, et les lobbies. Gérard,
je n'ai jamais empêché mes enfants d'écouter ces radios-là. Et j'ai remarqué que c'est la seule fois où je les voyais volontairement quitter la télévision pour y aller. Ils ne sont pas restés longtemps à l'écoute, aujourd'hui ils sont passés à autre chose, voilà. Mais c'est vrai que des gens comme Deep Fool, qu'aujourd'hui des gens comme Max, même si on n'est pas d'accord avec eux, font souvent un très bon travail, et que sur la question de la sexualité, il y a à leur rendre hommage. C'est vrai que ce n'est pas des imbéciles, c'est vrai qu'il se passe là quelque chose qu'on ne peut pas traiter par le mépris et la répression. Je vais dire que par rapport à tout ce que j'ai entendu, et c'était un peu ma conclusion, indépendamment du fait que j'ai partagé votre effroi en disant mais où on est, c'est que c'est pas grave parce que c'est transitoire et comme vous le dites, il arrive un moment où ils ne retournent pas vers la télé mais ils écoutent autre chose et autre chose c'est souvent énergie. À partir du moment où ils écoutent énergie à 19 ans, ils sont déjà vieux. Ils sont sauvés. Vieux. Ah, ceux qui écoutent énergie sont vieux. Mais bien entendu, à 19 ans, musicalement, on est un vieux. C'est ce qu'il explique. Mais alors, on est des croulants. Et Bouvard, c'est un dinosaure alors. Voilà. Caroline, votre livre, alors je ne peux pas juger le journaliste, vous êtes un éminent journaliste et vous avez très bien fait votre travail, c'est un peu dur à lire. En tout cas pour moi c'était très dur à lire parce que... C'est compact. Oui c'est très compact, c'est touffu. Et alors c'est vrai que j'avais tendance à sauter directement aux paroles des auditeurs, en disant, enfin un peu affolé. Et je me suis dit, vous expliquez tout, vous n'apportez pas de solution. Vous n'avez pas conclu, j'ai eu l'impression de rester sur la fin. J'ai mon opinion, j'ai mes solutions, mais je les garde pour moi et je laisse au lecteur l'espace de liberté et de libre parole ou de libre pensée qui lui permet de conclure lui-même. Je n'aime pas envahir le travail analytique avec mon ego. Claude, ça n'intéresse personne. Claude Sarotte. Alors moi, je vais te dire, Michel, si j'avais eu ça, la radio des jeunes, quand j'étais adolescente, toutes les nuits sous ma couette, j'aurais écouté ça. C'est très précieux. Mais tu écoutais Salut les copains. C'était de... Pas, ça n'a rien à voir. Il y avait le rock. Mais oui, y avait bien sûr, ça n'a rien à voir. Bah moi, ces émissions radio, ça ne me dérange pas, parce que moi aussi j'écoutais, mais à l'époque c'était beaucoup plus fun. Moi j'adorais Deep Fool, mais après il est devenu complètement méprisable, méchant, parce que là c'est carrément de la méchanceté gratuite. Et moi c'est ça qui me gêne. Et la question que je me pose, c'est où s'arrête la liberté d'expression? Certes, on peut pas couper ce truc, on peut pas leur enlever la parole, mais il faut quand même qu'ils instaurent un certain respect. Je sais pas, mais c'est dur, je vous jure que c'est dur. Moi c'est ce que j'ai vécu, je sais pas si quelqu'un peut le ressentir, mais mettez-vous à ma place. Et là, ça, on ne peut rien faire. Quand on demande les cassettes, parce que j'ai voulu porter plainte, bien évidemment, oui, bien sûr. Quand on demande les cassettes de l'émission, alors impossible de trouver les cassettes, enfin, on ne peut rien faire. J'ai analysé précisément cette séquence hein, où il y a eu débat national à propos de cette opération Loft et de la diffamation. Parce ça, c'est dans la diffamation. Il y a des lois. Attends, Stevie, voilà, je sais effectivement que c'est très difficile. Il y a des lois. Lorsqu'une radio, par exemple, a absolument déconné, dit des saloperies sur la question du nazisme et des juifs, ils ont été poursuivis. Oui. Lorsqu'ils disent des saloperies contre quelqu'un... Il y a une loi antiraciste, il n'y a pas de loi antisexiste, je te le rappelle. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, oui. Mais il faut pouvoir aussi, lorsqu'on s'estime diffamé dans ces radios-là, pouvoir porter plainte si on le souhaite. Monsieur Miller, j'abonde dans votre sens en disant qu'un certain monsieur qui s'appelle Coé, d'ailleurs, lorsqu'il a parlé d'Auschwitz dans un contexte estival, il a été sévèrement sanctionné. C'est vrai que ce type de dérive, dans une logique de transgression, ça peut tenter certains... Mais sur le fond, toutes ces radios ne remettent pas grand-chose en cause et je pense que c'est pour ça que le CSA n'est pas plus énervé que ça. On respecte le système économique dans lequel on vit, le système idéologique, on respecte l'ordre établi tel qu'il est. C'est le langage qui change. C'est seulement le langage. Non mais pour montrer même aux téléspectateurs le maximum de ce que nous pouvons faire à la télévision française de service public, le maximum de ce que nous pouvons faire, c'est grosso modo ça. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Qu'est-ce qu'elles ont vos couilles, Gérard? Allez, vous remercier. Parole d'auditeur, c'est aux éditions des Cirques. C'est signé Michel Meyer. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Il y a quelques jours, la polémique sur les circonstances de la mort de Lady Diana a été relancée. Son ancien majordome, Paul Burrell, c'est bien ça, Steven, qui est un expert de la princesse de Galles, et bien son majordome, Paul Burrell, affirme avoir reçu de la princesse une lettre dans laquelle elle prédisait les circonstances de sa propre mort. C'était 10 mois avant de décéder, véritablement, dans un accident de voiture à Paris, sous le tunnel de l'Alma. Une Fiat Uno blanche avait assisté à l'accident. Dan Bolander n'a pas mis sa veste prince de Galles. Il a enquêté pour nous, enfin plus que ça, il a testé
Est-il possible de repeindre une voiture suspecte? Regardez cette caméra cachée par Jean-Pierre Petit. Et tout de suite après, nous recevrons l'auteur d'un livre qui s'intitule justement « Le 31 du mois d'août », tout à fait en rapport avec le sujet. Bollander. Bonjour, ici Dan Bollander, j'ai testé faire repeindre une voiture suspecte. S'il vous plaît, vous pouvez me repeindre cette voiture en rouge? Oui. En rouge, hein? Voilà. Très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai une Fiat Uno, ouais, qui est juste là. Est-ce qu'il y a possibilité de la repeindre? Oui, on peut. Vous savez ce qui s'est passé avec les Didi il y a quelques années? Ah oui, 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 ça y est. Ouais. Bon. Alors, en fait, depuis quelques années, ils recherchent une Fiat Uno blanche. Voilà. Donc, je suis invité à me présenter à la préfecture de police, ouais, vous voyez. Ouais, mais ils vont trouver louche que vous l'avez repeint. Et vendez-la. Bah attendez, d'ici vendredi, je préfère la repeindre, ça sera plus facile. Hein. C'est le mieux, c'est noir. Ouais, noir, ouais. Bonjour monsieur, police. Bonjour. Vous avez récemment eu affaire à des gens qui avaient des Fiat Uno blanches? Non, non, monsieur. C'est à vous, monsieur, cette Fiat Uno blanche? Non, non, pas du tout. D'accord, parce que j'ai l'impression que c'est à ce monsieur, parce qu'on le filait depuis un moment. Écoutez, monsieur, si moi j'étais au téléphone, je sais pas. Je sais même pas si c'est à eux ou pas, je ne sais rien. Dites-nous la vérité, monsieur, c'est mais je vous dis la vérité. Là, monsieur, j'ai l'impression que vous êtes complice d'une affaire un petit peu sordide. Complice de quoi? Ce monsieur est soupçonné dans l'affaire Lady Diana. Il voulait repeindre sa voiture, j'ai l'impression. C'est ce qu'il vous a demandé, monsieur? Bah... Monsieur, j'ai pas entendu ça. Je t'attendrai à la porte du garage. Tu paraîtras dans ta superbe auto. Ce que je voudrais savoir, c'est si on peut la repeindre, en fait. On peut faire une peinture sommaire, vous voyez. Mais il faudrait que vous soyez d'accord, sommaire. Sommaire, ça veut dire qu'il faut pas revenir dans... Ah non, je suis d'accord, bien sûr. Hein. Police, est-ce que récemment vous avez eu affaire à des Fiat Uno blanches? Parce qu'il y en a une qui est là. Allez, monsieur, là. Vous devez faire des réparations sur cette voiture ou pas? Il veut peindre la voiture en rouge. Police, cette voiture à vous, là, la Fiat Uno blanche? Non, pas du tout. À qui est la voiture? Monsieur. Là, celle-là, mais putain, mais il faut pas être tendu, là. Oh. Bon, à qui est cette voiture, monsieur? C'est au monsieur, il me l'a montré, il voulait la peindre en rouge. Bah, pourquoi je voudrais peindre une voiture en rouge? Vous vous apprêtiez à repeindre cette voiture en rouge? Oui, monsieur. Mais vous savez pour que le compte du monsieur. C'est à vous, cette voiture, ou pas? Non, c'est pas à moi. Pourquoi vous me mettez dans une merde pareille? Comment mais ça? Pourquoi vous montez? Mais je mens pas. Je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous me mettez dans une galère pareille? Attendez, calmons-nous. Je me calme pas pour le moment, d'accord? Vous montez. C'est pas si facile. Qu'est-ce qu'est devenue cette fameuse Fiat Uno? On n'en a jamais reparlé. Est-ce que c'est si difficile de la retrouver? Manifestement, oui. En tout cas, il y a quelqu'un qui a imaginé ce que pouvait être la vie de cette propriétaire de la fameuse Uno, qui était en même temps que la Mercedes de Lady Diana sous le tunnel du pont de l'Alma le 31 août 1997, d'où le titre « Le 31 du mois d'août ». L'auteur de ce livre, qu'on va accueillir maintenant, c'est Laurence Cossé. Quand je pense qu'ils ne vous l'ont pas donné, hein. Ah non, parce que vous méritiez le bandeau Grand Prix de l'Académie française. C'est gentil. Je vous jure, gentil, vous le méritiez. Ne serait-ce que pour l'idée originale de ce livre. Mmh. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui vous a fait perdre le Grand Prix de l'Académie. Parce que, franchement, c'est pas commun, ce genre de bouquin. Racontez comment vous est venue l'idée de ce 31 du mois d'août. Écoutez, je crois qu'elle m'est venue très progressivement. Vous vous souvenez du 31 août 1997. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ce dont personne ne parlait. C'est-à-dire le trou d'ombre, le point opaque, le mystère, qui d'ailleurs est toujours un mystère. Ce quelqu'un qui était au volant de cette petite voiture qu'on a appelée la voiture frein, laquelle a provoqué l'accident. Alors là, vous avez, à partir de là, imaginé une fiction, c'est-à-dire la vie fiction. De cette femme. C'est une femme, vous avez choisi que c'était une femme. Ça, on n'en sait rien, c'était un homme ou une femme. Hein. Si, elle explique que ça ne peut être qu'une femme parce qu'elle roulait à 50 km/h. C'est quand même ça. Je vais vous expliquer. Mais ça... Elle respectait la limitation de vitesse à cet endroit. Ça reste une fiction, c'est une idée à elle, mais il n'y a rien pour l'instant qui prouve que c'était une femme ou un homme. Rien, fiction complète. Donc vous avez imaginé la vie de cette fille avec, bah, quelque part, ce sentiment de culpabilité, on peut dire? Écoutez, ce qui se passe, ce qui m'a intéressé, c'est comment, d'une minute à l'autre, on peut passer de la situation d'innocent complet à la situation de traqué par toutes les polices du monde, toute la presse du monde, à la situation de fuyard et petit à petit à la solution de coupable. Mais alors, est-ce qu'on est sûr qu'elle existe, cette Uno? Est-ce qu'il avait vu cette Uno? On est sûr qu'elle existe puisqu'on a trouvé les débris du feu arrière,
à l'endroit de l'accident, à l'endroit du choc, et qu'on a trouvé des traces de peinture. Sauf si c'est un attentat, comme le dit le majordome, ou la lettre qu'a laissée Diana, et que des espions britanniques ou autres ont laissé des morceaux sur les lieux de l'accident pour, évidemment, faire diversion. Très fort, très fort. Écoutez, moi j'ai écrit une fiction qui se donne pour fiction. Ces gars-là écrivent des pseudo-vérités qui en fait sont probablement plus fictives ensemble. J'ai l'impression que vous êtes plus près de la vérité que le majordome. J'ai pas dit ça. Ce que je fais est plus net. Plus net. Stevie Boulet. C'est vrai que c'est marrant, mais en même temps ça me gêne parce que ça se trouve c'est... Parce que moi dans ma tête tout est structuré, j'ai mon propre avis aussi sur la question. Et si c'est effectivement le service secret et la personne qu'elle dénonce dans la lettre, si c'est vraiment cette personne-là qui l'a tué, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un camion que là, elle l'aurait passé? Non, j'accuse pas. Elle serait rentrée dans un camion et basta. Et après, ça va directement dans l'ambassade britannique et comme c'est le territoire britannique, on ne peut rien faire. Et après, ils l'ont fumé. Enfin, moi, c'est toutes les sens parce que j'ai tout remis dans tous les sens, tout bougé. C'est un fan, tout... hein. Lady Diana, c'est Mère Teresa. Mais le livre, j'aime beaucoup. L'histoire est bien, c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est avec des détails, enfin, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Gérard Miller. Ceux qui se demandent ce que c'est que le pouvoir de l'écrivain, pas seulement son talent, oui, mais son pouvoir, doivent lire ce livre, parce qu'ils verront effectivement à quel point il y a un bonheur dans l'imagination d'une histoire, dans son écriture, dans ses personnages, dans le rôle du garagiste, oui, de cette femme. Donc c'est vrai que c'est à la fois un roman et en même temps comme un manuel de romancier, un peu comme lorsqu'on commente encore aujourd'hui dans les classes ce que fait Stendhal avec ses héros, découvrant d'un petit coin de l'histoire ce que c'est qu'une guerre, vous découvrez d'un petit coin d'une femme, d'une vie, d'un détail, ce que c'est qu'une histoire aussi fabuleuse. Pourquoi, quand vous avez choisi de faire cette suite-là du 31 août, pourquoi Lady Diana? Est-ce que vous avez eu le déclic grâce à elle, parce que vous aviez déjà une admiration pour elle? C'est quoi, finalement, le début du raisonnement? Non, le début du raisonnement, c'est que j'ai été captivée dans les jours qui ont suivi l'accident, en pensant à ce quelqu'un qui se tairait. Je me suis dit, mais comment vit-on? Comment vit-on quand la télévision ne parle plus que de ça? Quand les polices vous recherchent, qu'est-ce qu'on dit à son conjoint? Qu'est-ce qu'on dit à ses collègues de travail? Quelle tête on fait? Qu'est-ce qu'on fait de la voiture? Comment est-ce qu'on arrive à maquiller la voiture, à la planquer? Est-ce qu'on la balance à la Seine? Est-ce qu'on la... Stevie, dit d'où le complot? Il est persuadé que c'est un complot. Mais oui, c'est tellement énorme. Comment ça se fait que toutes les polices du monde n'arrivent pas à trouver cette putain de voiture? Non, mais c'est quand même affolant. Il n'y a rien de plus facile à trouver qu'une voiture. Et là, la voiture, elle disparaît, elle se volatilise. Donc, on ne peut pas faire disparaître une voiture comme ça. On ne peut pas. On ne dit pas se volatilise. Se volatilise. Je dis ce que je veux, je t'emmerde. Je dois dire que là, vous ne pouviez pas imaginer que le majordome de Lady Diana allait en plus vous faciliter la tâche. Oui. Ah, non, vous l'avez imaginé, le plus beaucoup marketing de l'année. Ah oui. Comment vous avez fait pour décider le majordome à sortir sa lettre maintenant? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ça, c'est vrai. Non, il est beaucoup plus fort où que moi. Où étiez-vous le soir du 31 août? Oui, d'ailleurs, c'est peut-être elle, la propriétaire de la Cuno. Ne me dénoncez pas lâchement. Ce serait quand même la meilleure manière de se cacher que de l'écrire. Évidemment. Vous bossez déjà sur une prochaine idée aussi tordue? Encore plus. Encore plus. Ben, j'espère qu'on vous recevra à nouveau à cette occasion. Le 31 du mois d'août, chez Gallimard, Laurence Cosset. Le 14 octobre est sorti La Vie de Château, le nouvel album d'Art Mengo. Et vous avez peut-être déjà entendu un extrait de son disque, puisque son single Je passerai la main est actuellement diffusé sur de nombreuses radios. Il a pris tout son temps, Art Mengo, pour faire ce nouveau CD. Il ne voulait pas se presser, il a travaillé chez lui, dans le calme, le confort et le luxe, dit-il lui-même. D'où le titre de ce CD, La Vie de Château. Je le précise pour ceux qui penseraient que c'est un album hommage à la Star Academy, ce n'est pas la même Vie de Château. Pour tester ensemble ce nouvel album, voici Art Mengo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir de vous entendre. Merci. Je le dis parce qu'il y a un signe qui ne trompe pas. Quand on reçoit un invité et qu'on a un album, on l'écoute en loge, on réécoute. Et là, il y a quatre personnes qui m'ont dit « Tu le prends, tu le gardes, le disque, tu prends ?» Ils voulaient l'emmener. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous étiez attendu, votre retour était souhaité par, si ce n'est vos fans, en tout cas ceux qui aiment la bonne chanson française. C'est sûr, ça fait toujours plaisir, en tout cas. C'est... Bon, en tout cas, je le merci, garde. Merci, je ne sais pas qui, mais merci. Je le dis pour la maquilleuse, pour je le garde. Ah oui. Voilà. Même effet pour vous, Elsa Fayer? Ah oui, moi, je ne le donnerai à personne, parce que moi, je vous ai vraiment attendu. Vraiment, très sincèrement, j'adore votre voix.
Vraiment, elle me fait vibrer. Vous avez une petite cassure, une petite fêlure dans la voix qui me parle énormément. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'on fait pendant 6 ans, quand pendant 6 ans on reste absent. Disons que quand on a passé 10 ans dans une maison de disques à faire un album tous les 2 ans, c'est vrai qu'à un moment, même avec les tournées de 94 à 99 à peu près, j'ai pas arrêté de tourner. Et donc c'est vrai qu'à un moment, on a envie de poser ses valises et puis on rêve de je crois qu'il y a beaucoup de gens comme ça, de rien faire. Mais c'est un luxe en fait. Et c'est un luxe, bien que je l'ai fait quand même avec une certaine sécurité, puisque malgré tout, on me demande des chansons et je fais quand même de la musique. Travailler mais pour d'autres, voilà. Ah, et composer, il faut quand même le rappeler, pour Johnny Hallyday, il y a quand même une chanson pour Florent Pagny. Au début, il y a du... Oui, Johnny Hallyday, il y a pas mal de temps. Pagny, bon, c'est assez récent, on fait assez régulièrement, on travaille ensemble. Qui d'autre? Salvador, sur l'album qui a tant marché. Macias, Orange en mer, oui. Ah, quelle réussite, l'album, le dernier album d'Enrico Macias, qu'on a tous aimé. C'est un bel album. Et ben, voilà, vous y étiez aussi pour quelque chose. Art Mengo, extrait de Je passerai la main, la nouvelle chanson. Je passerai la main comme ça, dans tes cheveux, sur ton visage, pour dire qu'au plus profond de moi, je t'aime au-delà des usages. Je passerai la main comme ça, tu trouveras cela gamin. Mais c'est ma façon d'être à toi, et puis je passerai la main. Je passerai la main. Votre plus grand succès. Ça reste pour l'instant, je crois, les parfums de la vie. C'était en 88. Il y a eu aussi Parler d'amour qui a bien marché. Et ensuite, plutôt en succès d'estime, La mer n'existe pas, qui avait été nominé aux Victoires. Mais quand même, les parfums de la vie. Et les parfums restent quand même, le titre, mon premier titre. Caroline Diamant, qui peut-être vous a croisé dans certaines maisons de disques où elle travaillait à une époque. Un mot sur cet album? Alors, j'ai trouvé l'album magnifique. Et en général, quand j'aime bien 3 chansons sur un album, je suis déjà très contente. Je trouve que c'est très beau, c'est beaucoup. Eh ben, j'en ai aimé beaucoup plus que 3. J'écoutais en boucle le single que vous aviez sorti effectivement en 88. J'avoue vous avoir perdu de vue un petit peu entre-temps. Et là, je vous ai retrouvé. Je ne vais pas vous lâcher par le biais du disque. Tu t'es perdu. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez. Je me demande s'il n'y a quand même pas une ouverture, là. Manifestement. Isabelle Alonso. Mais ça ne m'étonne pas, parce que pour moi, Art Mengo, c'est le chanteur de l'état amoureux. C'est-à-dire que je me souviens encore avoir eu une oreille masculine susurrer à mon oreille des mots issus d'un de vos albums. Ça disait quelque chose dans le genre « Tu ne portes rien, mais le portes si bien, du nu de tes seins au creux de tes reins. » Et c'est des petites choses dont on se souvient assez volontiers, par ma foi. Alors c'est la Sacré voix. Sacré Miller. Gérard Miller. J'adore « Je passerai la main ». Je sais vos qualités et je n'arrive pas totalement à adhérer au chanteur que vous êtes. Et cet album-là, il y a 2-3 chansons que j'adore et je sais que je ne pourrais pas dire que je suis un fan d'Art Mengo. Vous pouvez pas faire une reprise de l'International Non mais quand même, c'est pour être sincère. Alors moi, dans la loge, quand on m'a demandé votre CD, je l'ai donné. Mais c'est pas grave, j'ai Internet, donc je le reprendrai sur Internet. Non, bah écoutez... Oh bah ça... Je peux raconter quelque chose à ce propos, d'ailleurs. Non, c'est pas ça, c'était la polémique. Mais il y a un auditeur qui m'a envoyé un email en disant « Écoutez, moi j'aime beaucoup Florent Pagny, mais son album, je le copie sur Internet, puis je conseille à tous les autres de faire la même chose, parce que comme il veut pas payer d'impôts, je voudrais pas qu'il gagne trop d'argent pour qu'il en paye encore plus. » Allez-y, continuez. Non, moi, j'ai bien aimé. C'est sympa, mais c'est vrai que moi, spontanément, je ne mettrais pas non plus dans ma chaîne celui-là non plus. Mais c'est pas mes goûts, mais c'est vrai que c'est beau, c'est sympathique à écouter, c'est bien pour un dîner. Bon. C'est bien pour un dîner. Lui, c'est son truc. Il pense que ça. Mais non, si tu veux, soit je déteste. Mais vous baisez en bouffant. Mais non. Soit j'adore, mais c'est simple. Attends. Et il y a des chansons que vous avez composées pour d'autres, par exemple pour Juliette Gréco. Ouais, il y a une chanson qui s'appelle Pour vous aimer. Bon, on va l'appeler. Juliette Gréco, c'est l'appel à un ami, c'est une des rubriques de l'émission. Ah, j'espère qu'elle n'est pas là. Pourquoi? Je sais pas, je la connais pas.
C'est vrai, c'est que vous avez composé pour elle, écrit pour elle, mais vous n'avez jamais rencontré Juliette Gréco. Mais je le fais souvent, ça, ouais. Alors, c'est terrible ce que je vais vous demander, parce que non seulement vous allez l'appeler, mais vous allez lui dire, vous savez, la chanson « Pour vous aimer » que j'ai composée pour vous. J'ai un problème, il y a Loana qui me la demande aussi pour une nouvelle chanson. Je voudrais juste voir la réaction de Juliette Gréco. Est-ce qu'elle va dire oui, pas de problème, ou oh, bah, ça m'embête un peu. C'est d'accord horrible, si elle tient on pas essaye, la chanson. On appelle Madame Juliette Gréco. Allô? Allô, bonjour. Pourrais-je parler à Juliette Gréco, s'il vous plaît? Qui est là? Bonjour, c'est Art Mengo à l'appareil. Je vous ai écrit une chanson, vous vous souvenez, qui s'appelle « Pour vous aimer », qui est sur votre prochain album. Ben, je sais parfaitement bien qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de donner d'explication. Vous dites Art Mengo et je sais. Ah, excusez-moi, comment on s'est pas rencontré? C'est vrai que je pensais que vous auriez pu oublier éventuellement. Ah, ben, ça me flatte que vous ne m'oubliez pas déjà. Non seulement je suis pas prête à oublier, mais encore je suis prête à chanter. Ben voilà, je suis un peu embêté parce que cette fameuse chanson, donc « Pour vous aimer », il y a une certaine chanteuse qui s'appelle Loana qui aimerait me la reprendre aussi. Et donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Rien. Allez, c'est une blague, Juliette Gréco. Bonjour, c'est Laurent Ruquier. C'est bien Art Mengo qui est là et qui vous parlait. Il est sur le plateau d'On a tout essayé. J'espère qu'on vous dérange pas trop. Pas le moins du monde. Parfaitement. Excusez-moi, ça m'a terriblement gêné. Mais moi aussi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas entendu. J'espère que vous viendrez nous voir pour votre album. En tout cas, on est impatients de vous recevoir. Mais Art Mengo nous a expliqué effectivement qu'il avait une chanson qu'il avait signée pour vous sur ce futur album. Magnifique. Il est très fier de ça, manifestement. Absolument. Ah, c'est une chanson magnifique. C'est une chanson magnifique? Ah oui. Il a vraiment un talent absolument brûlant. Ah. Ben, c'est, On ne va pas vous déranger plus longtemps. Ne vous dérangez pas Je me permets de vous embrasser, Juliette Gréco, et je vous dis à très bientôt sur ce plateau. Et ça me fait un grand plaisir. Vous embrassez Mingo. Je vous embrasse aussi, Juliette. Au revoir, monsieur. Au revoir. À très vite. Merci et bravo. Au revoir. Mingo, la vie de Château, la chanson qui passe en radio actuellement, c'est « Je passerai la main ». Nous, on a trouvé que c'était un superbe album, on était donc très contents de vous recevoir. Vous restez 2-3 minutes avec nous encore? Avec plaisir. Pour le « Tac à finir ». Qu'est-ce que c'est que ça, Gérard? Bah, écoutez, Laurent, vous savez, on reçoit souvent des demandes d'associations humanitaires pour qu'on essaye de les soutenir. Il y a une association dont d'ailleurs vous êtes membre, Laurent, Isabelle, Stevie et quelques-uns de cette bande. C'est l'association pour les enfants autistes. Samedi prochain, c'est la journée nationale des enfants autistes. Et j'appelle tous ceux qui peuvent se rendre à la mairie de Paris, sur le parvis, pour la manifestation qui aura lieu samedi prochain à 14h. C'est décisif que nous tous soutenions le combat des parents et des enfants autistes. Voilà, je voulais lancer ce message. Samedi 25, à la mairie de Paris. Alors, maintenant on joue. Des phrases à compléter, vous allez aider mes petits camarades. On commence par Juliette Gréco. Pour une phrase assez étonnante, elle a déclaré, Juliette, à propos du public, de sa carrière, « Un public, c'est comme un amant, on ne peut pas simuler. » Non. On ne peut pas le tromper sans qu'il s'en rende compte. Non. On ne peut pas le faire jouir tous les jours. Non, mais on se rapproche de l'aspect sexuel qu'il y a dans le reste de la phrase. On ne peut pas lui demander de nous faire jouir tous les jours. Non, c'est plutôt sa position à elle par rapport au public. On ne peut pas l'emmerder tous les jours. Non. On ne peut pas se refuser à lui. Non. Moi, je vous dis tout ce que je fais avec les amantes. Hein. Non. Pensez à ce que vous faites, vous, Gérard, vous, Stevie. Ah, on ne peut pas se branler tous les jours. Caroline, enfin, on est en période radio, Caroline. C'est la trash télé. Oh. Ce sont les vacances scolaires. Il y a plein d'enfants. Mais attendez, c'est pas si loin. Non pas dans le sens, mais dans la forme, c'est presque aussi trash que ça. On ne peut pas le faire bander tous les jours. Non, c'est plutôt une attitude qui est pas. Vous dites, pensez à Gérard ou à Stevie. Oh là là, je me méfie. Là. Moi, je réfléchis plus. C'est-à-dire que je ne vois pas ce qu'ils ont en commun, Gérard et Stevie. C'est ça qui m'ennuie. On ne peut pas le séduire tous les jours? Non, c'est plutôt... Bon, alors, attendez. Il y a des gens qui sont très fidèles et d'autres... Infidèles. Bon, très bien, mais c'est pas si... Mais... Vous voyez que je ne me suis pas trompé, hein. Infidèle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Infidèle. J'ai pas dit que vous étiez infidèle, ah, bah, j'espère Gérard. Bien, il manquerait je sais que vous êtes très fidèle. Ah bon? On ne peut pas le cocufier? Non. On ne peut pas qu'est-ce que font beaucoup de séducteurs, beaucoup de dragueurs? On ne peut pas découcher. Raconter des bobards. Non. Ben qu'est-ce qu'ils font? Ben ils baisent. Et après ils se tirent. Ça y est, on le tient. Ah, ça va, ah,
c'est ce que je fais. Oui, alors. On ne peut pas lui faire plaisir et s'en aller ensuite. J'ai une idée. On ne peut pas les planter quand ils sont chauds. Voilà. Non, c'est exactement ce qu'a dit Gérard. Allez. On ne peut pas le faire jouir et ensuite se tirer. Il y a tirer, mais c'est dans l'autre sens. On ne peut pas le faire jouir. On ne peut pas tirer un coup et s'en aller. Voilà ce qu'elle dit, Juliette Gréco. Alors. Voilà. Elle a pas tort, hein. Elle a pas tort, et n'étant pas chanteur, je confirme quand même ce qu'elle dit. C'est vrai. Voilà. Vous voyez, Gérard, que tu peux pas tirer Stevie, un j'étais pas loin de la vérité. Avant, oui. Il quoi, avant quoi? Ah, parce que maintenant, il est fidèle. Il a changé. Ah, oui, oui, oui. Maintenant, il s'en va d'abord. Akmengo, la vie de château, l'Olympia en avril, et une tournée suivra. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, bye bye, à demain.